Fusion. Donc voilà, comme vous voyez à l'écran, il n'y a pas de son en fond, comme d'habitude. Les problèmes, c'est Fitness Fusion. Il y a toujours des problèmes dans les vidéos. Si un jour il n'y a plus de problème, c'est qu'on a de l'argent. Mais dès la deuxième série, vous aurez de nouveau du son. Donc là, on fait juste l'introduction. C'est une séance haut du corps, donc pec, dos, épaules, bras, on a tout fait les gars. Donc voilà, pensez à lâcher votre like, à vous abonner. Bon visionnage. Tu l'aurais même pas dit où on était à Bino. Ça même pas où on est. On l'a dit, on a un plein de fitness. Ouais, mais c'est où? C'est en Allemagne, à Cologne. Voilà. Donc on avait déjà fait une salle pour ceux qui l'ont pas vu la vidéo. Elle est dispo. Au niveau et là on du fait notre doigt de Pimousse. Là on va tester ce genre de machine. Je sais pas c'est quoi la marque en vrai. En temps normal on aurait fait de l'incliné, mais il n'y a pas de machine inclinée, donc on va faire ça et ça fera l'affaire. Machallah la testo. Machallah la testo, regardez les veines, elles commencent à arriver. Vous les voyez les veines bleues, le retour? Le retour. Regardez. Des baisers de super. Le retour des veines remplies de jus de Fortnite. Oh. Comment tu vas? Ça va et toi? J'arrête. T'es musclé hein, pour un début de séance. Pour un débutant, on va passer au troisième exercice. Là, on va taper le dos maintenant. Séance du corps, on vous l'a dit. Suivi du chibre. Vous voulez vous dire, on a décidé de reprendre les... Les stéroïdes? Non, ça on a dit... Non, on a... Oh, mais... Toi, les vidéos training, parce que justement, on a eu l'impression que cette année, on n'est plus une chaîne de muscu. Voilà, en fait. On s'est un peu perdu dans le fun. On n'a pas fait assez de force. On vous a donné beaucoup de conseils le mercredi, tout ça. Mais on n'a jamais montré qu'on sait s'entraîner. En fait. Voilà, parce qu'on le faisait au début, lorsqu'on a commencé YouTube. Mais vu qu'on était personne, et on est toujours personne, ça marchait pas. Là, ça fait un moment que vous nous réclamez des trainings, donc on va bombarder un entraînement par semaine. Une fois, ça sera la séance Pimousse et moi, je filmerai. Une fois, ça sera ma séance et il filmera. Tiens, regarde, un petit peu de promo, parce qu'on n'a pas encore les nôtres. Quand les parce nôtres qu'il va nous sortir, en envoyer des gratuits, ouais. Et si tu veux nous en envoyer des gratuits, on est là. Moi, c'est elle, en oversize, s'il te plaît, merci bien. Et le bras, c'est n'importe quoi. Un bras d'écharpe. Il faisait l'amende. Le bras, non, mais... ça ne pas l'épaule, le bras. Je me trouve vraiment bien là. Alors qu'il y a moins de 3 semaines, il disait tu gros, tu gros. Ah, mais là, les gars, j'ai fait des efforts dans l'assiette, dans les trainings. Et de toute façon, je vous montre tout ça à la fin. T'es congestionné, il y a la bonne lumière. Entraîne-toi jusqu'à ce qu'il doute de toi. Ça va Pimousse? Je suis fatigué. J'avais pas envie de m'entraîner spécialement aujourd'hui, donc je suis pas... fatigué que pour ce que tu veux. Ouais, pour le basket, je suis pas fatigué. Voilà. Je sens que les bras. Sur l'exercice là, prise neutre, mais après on les fait pas aujourd'hui. On fait que pec, dos, épaules. Le plus important au niveau des épaules, c'est ta longueur. Après, il y a aussi l'arrière d'épaule. L'arrière d'épaule est bien, mais le plus important, c'est le latéral. Mais celui-là, on s'en fout, on l'a tous, les gars, vous le savez. L'avant, tout le monde l'a. Le latéral, c'est. Faut le massacrer. Et l'arrière, c'est plus dur à avoir. Pensez à l'échapper quand on a l'arrière d'épaule. Bizarrement, j'ai pas l'arrière d'épaule, il est vite fait, toi aussi, donc on est à l'abri. On va vérifier. Ici, on vérifie tout. Oh, monsieur n'a pas l'arrière derrière d'épaule. Qu'est-ce que c'est donc que de cela? Oui, j'ai un petit. Ça, meilleur exercice les gars, c'est mon préféré. On termine la séance avec
et c'est la dernière série après les séries d'élévation latérale. Je prends des 5 et j'essaie de faire max de répétitions. Dès que ça crame vraiment à mort, j'arrête. C'est pas de l'échec, c'est la douleur qui m'arrête. C'est pour envoyer un maximum de sang pour apprendre à mieux recruter mon faisceau latéral. C'est bien quand vous avez des points faibles. Faire des séries très longues pour apprendre à s'en faire. J'ai toujours fait comme ça. Si vous voulez mes épaules, les gars, vous faites juste ça. Après, il y a une méthode qui marche, c'est qu'il faut marcher un peu comme ça. Tu te balades voilà. Comme ça dans la salle et je vous promets, vous allez avoir des grosses épaules. Alors, les épaules. Tu tires une certaine personne et tu spams. Et tu t'envoles. Et après, les épaules, elles commencent. Et là, le but, les gars, si vous voulez bien les sentir, les élévations latérales, c'est vraiment d'essayer d'avoir les bras les plus tendus possible et d'aller chercher loin, comme si vous alliez envoyer l'haltèr vers le miroir et là vers le mur. Je la lance, elle va pas monter au ciel, elle va aller vers là-bas. J'en ai assez. Je sais pas si la lumière elle est bien là. Elle pue. Mais les gars, de toute façon, c'est pour la balance qu'on est ici. Et même, de toute façon, on est des mecs natifs, on n'est pas... Tu fais quoi? Ah, j'ai pas de caleçon. Eh, moi les gars, je sais que j'ai bien travaillé, je suis en confiance, j'ai un bon physique actuellement. Je ne suis pas le meilleur du fitness, mais je peux dire que je suis fier de mon physique. Ah, bon physique. Pour ça, vous pouvez peut-être me sentir arrogant et tout. C'est parce que vraiment, j'ai bien travaillé, je me sens bien. Donc je le dis, j'ai un bon physique. 76 kilos les gars, encore 1 kilo à perdre pour remplir l'objectif de la sèche. J'ai démarré à 80 kilos. C'est bizarre que tu commences à être sec à 75, avant c'était pas le cas. Bah c'est comme ça gros. Ouais, allez, non, la photo là où je suis avec Newton, ah, t'es à 75. J'étais à 75. Et là j'étais monté à 80 kilos sur le dernier fit avec Newton. Et j'avais dit que c'était beaucoup trop gras pour moi. Et l'objectif c'était 75 kilos. Et je suis content, la balance ça faisait un mois, elle bloquait à 78. Et là je suis à 76, donc encore 1 kilo à perdre. On va voir la shape sous une bonne lumière. Ouais, vous voyez, les gars, on va vous faire un tuto sur lumière, congestion, tout ça. Parce que vraiment, c'est cheaté. Hein. Avance-toi, voilà, faut que tu vois éclair. Oh là là, la différence, regardez la différence. Vas-y. Regardez, voyez comment là, je me mets dans l'ombre. Si vous voulez, je contracte pas. Voilà. Je suis quand même congestionné, donc ça peut. Voilà. Hein. Là, je vais mettre sous la lumière. Et tu congestionnes. Je vais rentrer le ventre. Je vais serrer les abdos et si vous voulez, je vous montre que ça, je ne vous montre pas le moment avant et ça sera moins impressionnant. Et si je veux en rajouter, bah, je vais serrer les veines, on va avoir les stries sur les pecs. Et là, c'est un autre homme. Et là, c'est dopé. C'est ça. Donc c'est pour ça les gars, vous pouvez tous y arriver. Faut juste s'entraîner jusqu'à ce qu'il bute de vous. Et avoir la bonne lumière. Mais c'est ce qu'ils font tous. Après les gars, je sais pas poser. Non, juste... Oh là là. Yujiro. Là, j'ai chauffé. Un sacré dos. Je fais le bodybuilder. Là, t'as un sacré dos. En vrai, on parle toujours de mes pecs, mais c'est vrai, je préfère mon dos parce qu'en fait, je stocke pas de gras au dos. Un sacré dos. Regarde, y a rien. Alors que de face, j'ai les pecs, mais le ventre, vous allez voir les abdominaux d'abdos, c'est n'importe quoi. Bon, si vous savez pas, on est à la Gamescom en Allemagne. Yeah, pour ici. La chaîne YouTube de Pimousse, il y a un blog qui sort sur sa chaîne. En plus, c'est un très gros salon du gaming. Et on a été invité avec une grosse marque et tout. Donc yeah. Ça, on en profite pour faire un petit training. Et semaine prochaine, du coup, tous les vendredis, yeah. Un entraînement. Ok. On parlait de tes abdos. Petit posing. Ben voilà, là, c'est une lumière dégueulasse. Voilà à quoi ça ressemble. Là, je suis en mode, ben, je suis au repos un peu, tu vois. Normal. Là, je suis dans la vie de tous les jours, en fait, tu vois. Je ressemble à ça. Et si je commence à me reculer, je me mets sous une vraie lumière. Je contracte toujours pas, mais voilà, juste avec la vraie lumière, ben, je fais muscler tout de suite. Et si je contracte... Là, tu vas les choquer. Voilà. Et là, ça fait dopé. Et là, j'ai failli cramper. Mais ça, les gars, tout le monde peut y arriver. Faut juste s'entraîner dur. Bien manger. Il n'y a pas besoin de produits, je sais pas quoi. Les Bazinga, les Solumai, ils ont tous des noms physiques naturellement. Vous pouvez tous en avoir aussi. Donc ces physiques-là, les gars, ils sont atteignables. Il y en a plein dans Fit Game qui l'ont, qui ne vous mentent pas. Il y a des mecs qui vous mentent. Nous, vous le savez, on vous ment pas. Maintenant, ça fait longtemps. La majorité des gens qui nous regardent, ils sont convaincus. Ils nous font confiance. Ce physique-là, vous pouvez l'avoir si vous avez la bonne génétique. Vous mangez bien, vous entraînez bien. Et voilà, les gars. Je trouve que tu les as pas encore assez choqués. Gros, j'ai pas écrampé. T'as fait trop le mec lambda, là. Alors que les autres youtubeurs, ils se mettent que à leur avantage. Là, c'est bien. Les abdos de Pimou, c'est quelque chose quand même, les gars. Ça, vous pouvez pas aimer les hommes quand vous voyez ça. Ah, c'est bon. Ouais, on en reste là, sur une phrase de Zemzem. Qu'est-ce qu'il y a, phrase de Zem. Et les monsters. Les gars, si on était congestionnés ici, c'est grâce à ça. Ouais. Les gars, congestion aussi, code moins, fitness fusion, moins 20% de réduction hein, sur QNT. Ça aussi, ça va vous aider, les gars. Un scoop avant la séance. Nous, on l'avait pris, ça ressemble à ça. Ça, surtout, laissez-le. C'est pour pas que ça sèche.
et ça tient au moins 2 mois. Vous faites pas les gourmands. Bon les gars, on est à la Gamescom. Là, on a fait le petit tour sur le stand BenQ. Si jamais ça vous intéresse, le vlog sera disponible sur ma chaîne, sur la chaîne Pimousse. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non. Est-ce que t'es un gamer? Non. T'es un menteur. Non, je suis pas un gamer. Hier, il a vu sur un stand des burgers, il m'a dit je suis un gamer. Non, leur diète, elle est pas mal en vrai. Mais nous, on est resté sérieux, on a mangé une belle entrecôte hier. 400 grammes, les gars. Pff, elle était terrible. Lâchez votre like. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimousse et Didio Force. Et Fun. Allez, on coupe, on va aller manger des hamburgers.